Bonjour Catherine. Bon, ben voici mon travail finalement. C'est ça, j'ai eu quand même des difficultés, mais il est complet. Puis je suis assez satisfait du résultat. Alors j'avais dit que je ferais un rotoscope, mais en fait, c'est pas comme ça que ça s'appelle. Ça s'appelle un zoétrope. Puis ben c'est ça, c'est un appareil qui a été inventé il y a très longtemps. Et le voici donc. C'est un appareil avec un mécanisme pour le faire tourner. À l'intérieur, il y a des motifs. En fait, pas des motifs, il y a une séquence de une séquence de vidéos qui a été décomposée en images. En fait, c'est une simulation du naufrage du Titanic. Pourquoi? Ben parce que j'ai pas eu le temps de faire des petits dessins à raison de. Là, il y en a 28, je crois. Mais c'est ça. Les petites fentes, c'est à travers ça qu'on regarde. Je sais pas si ça va bien fonctionner parce que les images sont assez sombres. Mais il y a. Ici, un mécanisme pour le faire tourner. C'est tout fait maison. Alors, un engrenage vertical, un engrenage horizontal en dessous du plateau. Et quand on tourne la manivelle, ça fait tourner la patente. Là, ben, comme ça, on ne voit pas bien l'animation parce que c'est flou. C'est pour ça qu'il y a des petites rainures sur les côtés. Là, je vais m'approcher, mais je ne sais pas si ça va bien fonctionner. Ben, on voit que les images bougent, mais c'est pas très. Pas très concluant. Je vais prendre quelque chose de plus clair. J'ai essayé tout à l'heure de les